Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez à toutes et à tous les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité, nous nous intéressons à ce qui vient de se passer en République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui sert aujourd'hui de relais pour la France, qui sert aujourd'hui de vassal, à travers le régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui sert de vassal pour la France, la Côte d'Ivoire, dont nous connaissons ses actions suffisamment négatives vis-à-vis des régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Côte d'Ivoire vient de vivre quelque chose le 28 octobre 2024 qui laisse à réfléchir, qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions et qui nous pousse à prier beaucoup plus pour le peuple ivoirien. Puisque, en tout état de cause, le peuple ivoirien ne doit pas vivre ou subir les conséquences des actes négatifs que pose le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Alors, la question est posée. La question est celle de savoir si l'acte qui a été posé dans un village, dans la localité de Lakota, en République de Côte d'Ivoire, si cet acte est un acte de terreau. Je le répète, c'est une question qui est posée. Nous allons voir les faits ensemble et ensemble, nous allons dire, nous allons voir vraiment il s'agit de quel type d'acte. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles et mettez toujours notre slogan politique en commentaire. Vous mettez oser, c'est déjà gagné. Et donc, c'était le lundi 28 octobre 2024. Lundi 28 octobre 2024 a été une journée très tragique pour le village de Djidji. C'est le nom du village, on l'appelle Djidji. Djidji est situé dans le département de Lakota, environ 35 km de la ville éponyme. Voilà, j'y arrive. Donc, l'information est donnée par un média ivoirien. L'information est donnée par un média ivoirien. Alors, ce lundi 28 octobre 2024, pendant que les habitants de la localité de Djidji vaquaient librement à leur occupation, et ils ont été surpris de voir un monsieur, un individu, qui, s'approchant de deux autres, ce monsieur avait en main une machette. S'approchant de deux autres, la machette dans la main droite, il a levé le poing gauche. Voilà, par ici, c'est le poing gauche. La machette était dans sa main droite. Il a levé le poing gauche en l'air en criant Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Et ensuite, il a envoyé au repos éternel ces deux personnes. Oui, il a enlevé. Voilà, je ne veux pas carrément prononcer le mot pour éviter que l'algorithme nous crée des difficultés. Donc, ce dans quoi se trouve la matière grise? Il a enlevé ça sur les deux. Et puis, les jeunes du village sont passés par tous les moyens pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir le neutraliser. Et donc, ce qui est inquiétant, ce sont les gestes qu'il a eu à faire avant d'envoyer ces gens au repos éternel. Mais il faut préciser que, d'abord, que l'âme de ces deux défunts repose en paix. Il faut préciser que ce monsieur est installé dans la localité depuis 9 mois. Depuis 9 mois, selon les informations reçues. Depuis 9 mois, il est là installé. Alors, est-ce qu'il était là installé pour préparer le terrain pour ses amis terreaux? On ne sait pas. Mais il est venu s'installer dans le cadre de l'agriculture. Est-ce qu'une folie circonstancielle, ou juste un acte isolé? Mais ce qui reste clair, le monsieur est installé, il s'est installé depuis quelque chose de 9 mois.
et il évolue dans le domaine de l'agriculture. Mais depuis quelque temps, les citoyens de la localité ont observé un comportement bizarre de sa part. Ils ont tous observé que le monsieur, et qui prie dans une des mosquées de la localité, avait commencé à se radicaliser. Très bien. Il a commencé à se radicaliser. Alors, nous apprenons qu'il est musulman, croyant. Il a commencé à se radicaliser. Et ses confrères, aux alentours dans le village, les gens ne comprenaient pas. Mais les gens observaient, les gens constataient qu'il se radicalisait. Et donc, après, il y a eu une perquisition. Les autorités locales sont allées à son domicile. Ils ont procédé à une perquisition. Ils ont vérifié partout. Et voilà, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Mais jusque-là, en tout cas pour le moment, les résultats de la perquisition n'ont jamais été dévoilés. En tout cas pour le moment, ça n'a pas encore été dévoilé par les autorités ivoiriennes. Ils n'ont rien trouvé chez lui. Puisque, en fonction de ce qu'on trouvera chez lui, cela peut permettre de déterminer si nous sommes en face d'un terreau. Est-ce que nous sommes en face d'un terreau ou est-ce que nous sommes en face de quelqu'un qui a perdu la cervelle? Est-ce que nous sommes en face d'un simple criminel? Est-ce que nous sommes en face d'un simple... Voilà. Mais le fait de lever le poing gauche vers le ciel, regardant le ciel, et crier Allahu Akbar, Allahu Akbar, avant de donner le ticket pour le départ au repos éternel à ces deux personnes, c'est un signe, c'est une formule régulièrement utilisée par des terreaux. On le sait. Mais dans le cadre d'espèce, est-ce que c'est un terreau? Puisque s'il a utilisé cette formule, après la perquisition, les autorités se rendront compte de qui il est. Il faut d'ailleurs rappeler que quand ça s'est passé, les autorités ont mis sa famille à l'abri. Oui, quand il a envoyé les deux au repos éternel, les autorités, les forces de défense et de sécurité ont mis sa famille à l'abri pour éviter que le village, les villageois ne payent pour eux sur sa famille. Et puis lui, voilà, ils l'ont mis à la disposition des autorités. Il faut dire que, évidemment, selon le droit, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut le juger. S'il doit être condamné, qu'il soit condamné. On ne le fera pas pour un terreau. En tout cas, en Guinée, chez nous, ça ne se fait pas. C'est la loi. Mais si ça se passe dans un village, tu viens, tu fais ça, tu envoies les gens au repos éternel comme ça, automatiquement, toi aussi, tu iras au repos éternel. Ceux-là même qui vont te neutraliser, c'est-à-dire te neutraliser signifiera que tu es déjà allé au repos éternel. Donc, voici ce qui vient de se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, on se pose la question. Puisque jusque-là, les autorités n'ont pas encore communiqué les résultats de la perquisition et les autorités ne nous affirment pas si c'est un terreau, puisque c'est un sujet très sensible. Lorsqu'on constate déjà la présence d'un seul terreau sur le sol d'un territoire, ça veut dire que le territoire a vraiment de sérieux problèmes. Les investisseurs vont ralentir de venir, tout et tout et tout et tout et tout. Donc, peut-être c'est un cas de terreau isolé. Donc, les autorités veulent camoufler. Ou peut-être ce n'est même pas un cas de terreau. Peut-être c'est quelqu'un qui a juste perdu le truc. Ou bien c'est... Voilà. En tout cas, c'est la perquisition et l'ensemble des questions que les autorités, les forces de défense et de sécurité ont été amenées à poser à ce monsieur qui permettront à l'opinion de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il faut déjà dire que les médias occidentaux, les médias ivoiriens, beaucoup n'en parlent pas. Hein. Voilà, beaucoup n'en parlent pas. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on va continuer de suivre et on souhaite vraiment que ce ne soit pas des terreaux, ce ne soit pas un acte de terreau, puisque l'affaire de terreau, on connaît quand ça commence, mais ça n'a presque jamais de fin. Jamais. On ne le souhaite même pas pour son pire ennemi que ces actes-là démarrent dans son pays. Ce n'est pas bon. Mais on ne souhaite pas si cela arrivait. Vous savez que les terreaux se nourrissent de leur activité. Si les terreaux sont en train d'être chassés du Sahel, ils vont chercher autre lieu, malheureusement.
Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il y avait à dire. Je vous dis donc merci, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.